Moi, c'est Marion de Green Martha. Sur ma chaîne, on parle couture, créativité et corset. Aujourd'hui, on se retrouve enfin après une grande pause pour une vidéo bullet journal. Je vous présente aujourd'hui ce que j'ai fait comme présentation pour le mois d'avril. Alors, je sais, on est déjà bientôt à la fin du mois. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je ne travaille pas avec des pages toutes préparées, je fais uniquement une monthly en début de mois et ensuite des daily de longueur tout à fait variable. Du coup, je ne sais pas trop où je vais en être au niveau page quand le mois va se terminer. Donc, je filme en début de mois et je vous propose la vidéo ensuite. Des fois, ça peut être un petit peu plus long. Alors, pour le mois d'avril, j'avais envie de quelque chose de fun et de rapide à faire. Je suis partie sur un thème des poissons avec juste un marqueur, de feutre, un petit peu de washi tape. Ça devrait être quelque chose de très facile à recréer si l'envie vous en dit. Allons-y. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas fait de vidéo bullet journal, du coup j'en profite pour vous faire un petit aperçu de quoi ressemblent les mois qui sont passés à l'intérieur de mon journal. Je fais toujours le même mélange de notes, de choses à faire, de to-do list, de petits dessins, de notes de différentes idées, de listes de choses sympas qui se sont passées dans la journée, de gratitude, avec toujours des décorations, des washi tape, des autocollants. Je me fais plaisir et je dois dire que le journal, c'est quand même un truc qui m'a fait beaucoup de bien au moral dans ces derniers temps, pas toujours évident. Voilà le mois de mars que je n'ai pas réussi à vous filmer, que j'ai fait dans un train. J'espérais le mettre en couleur, mais au final il sera resté en noir et blanc. J'étais partie sur un thème assez printanier avec des primes verts, des petites étoiles en plus, des fleurs et des feuilles. Et nous voilà arrivés à la fin du mois de mars. J'ai préparé mes dessins au crayon, comme vous pouvez le voir, avec différents essais que je gommerai après. C'était pour les placer sur la page et j'avais commencé un petit peu trop bas. Vous voyez que j'ai laissé un peu d'espace sur la page de gauche. C'est là où je vais faire mon bilan du mois de mars, que j'aime toujours bien faire, un moment où je note les choses intéressantes ou importantes qui se sont passées. Au niveau des couleurs, comme j'étais sur des poissons, je suis restée sur quelque chose d'assez nautique, avec un rouge, un bleu foncé. Je viens dessiner pour commencer mes poissons en bleu. Pour avoir les traits les plus réguliers possibles, le plus simple est de toujours tirer le feutre vers soi. C'est pour ça que je pivote régulièrement mon journal pour éviter d'avoir des traits qui tremblotent trop. Après, c'est des dessins assez schématiques. C'est pas grave si c'est vraiment pas parfait. L'ensemble va quand même bien rendre. On n'essaye pas d'avoir un dessin qui soit le plus impeccable possible. Je viens faire des hachures sur les petites nageoires. Ça reste vraiment du dessin assez basique, du genre de ceux que vous dessinez pour mettre dans le dos de vos camarades à l'école. Au début, je pensais les laisser en blanc, et puis finalement, j'ai trouvé que c'était un peu trop palichon, donc je suis venue rajouter des écailles à l'intérieur, au moins du poisson du haut. Vous verrez que les deux poissons du bas ont été remplis un petit peu différemment. Pour le poisson du milieu, j'ai vraiment juste fait le contour pour le moment. Vous verrez un petit peu plus tard comment il va être rempli, mais il va être moins détaillé que les autres. Celui du bas a droit à ses petites nageoires, à son visage et à quelques hachures.
Les poissons, ça m'a évoqué un thème assez nautique et je suis venue faire des rayures avec un feutre rouge. Comme vous voyez, j'essaye pas de faire un résultat parfait. Je passe à peu près à côté des poissons, mais je fais ça de façon vraiment rapide, sans essayer de faire ça à la règle. Je suis simplement les petits points de mon journal et je viens tracer un trait avec mon feutre, une ligne sur deux. Et voilà, j'ai fait tout le fond qui me permet de bien faire ressortir les poissons. Maintenant, on va passer au titre. Avril que je viens marquer donc dans le poisson qui est au milieu et que j'avais laissé à peu près entièrement vierge. Je fais une à peu près fausse calligraphie. Je suis vraiment pas très douée en calligraphie, donc je fais les traits à peu près et ensuite je viens épaissir mes descentes après coup. Là non plus, c'est pas parfait, mais on n'a pas d'obligation d'avoir un journal parfait. En attendant que ça sèche, je viens faire l'encadré pour la review du mois de mars sur la page de gauche. J'en profite pour mettre en haut à gauche le petit trait de couleur et le petit tampon Happy's que je mets tous les jours. J'avais laissé cette zone vierge parce que je ne savais pas encore dans quelle couleur je ferais ma page de titre. Je viens dessiner un cadre simplement au feutre bleu. Je vais laisser un petit peu de place en haut juste pour marquer review mars. Je vais tracer des rayures des deux côtés du cadre comme si elles étaient en dessous, toujours dans les mêmes couleurs, du rouge pour les rayures, le bleu pour le cadre qui est dessus. Le petit poisson du bas de la page va me servir à noter mon petit calendrier. J'avais fait un petit brouillon pour être sûr d'avoir à peu près la place, de ne pas me retrouver avec un calendrier trop serré. Je me suis rendu compte que le poisson, il était un peu triste et un peu vide autour du calendrier, donc je suis venue rajouter les mêmes motifs d'écailles que j'avais mis dans le poisson du haut autour du calendrier. Donc j'ai laissé un petit peu d'espace et je viens compléter toujours avec des écailles avec des traits, d'autres pleines et remplies au feutre et d'autres qui restent blanches. J'ai eu quelques petits malheurs de stylo qui a bavé, je viens corriger ça avec mon stylo blanc. Aucun journal n'est parfait et ce n'est pas grave. Et après réflexion, j'ai aussi rajouté un œil et une bouche et des hachures sur les nageoires au poisson du milieu qui me semblait un petit peu trop blanc. Cette fois-ci, c'est fini et on passe à la page d'après. Une chose que je fais aussi tous les mois, c'est que je mets une bordure de washi tape sur la première page du mois. Je viens replier mon washi tape sur le bord de la page, ça la rend un petit peu plus épaisse, ça permet qu'on repère un peu mieux où se trouve chaque mois quand on regarde la tranche du cahier. Alors, comme ce mois est un petit peu particulier, j'ai fait mon calendrier sur une seule page au lieu d'une double page parce que je me rends bien compte que je vais avoir peu de rendez-vous clients ou d'essayages pendant le mois qui vient. Je marque les dates au feutre bleu foncé. Ce que je fais pour mieux me repérer, c'est que je laisse une ligne à la fin de chaque semaine et je les décale un petit peu. Et avec le feutre rouge, je viens dessiner des petits poissons. Cette fois-ci, je les fais vraiment très simple. Je viens juste dessiner la forme du poisson que je colorie entièrement en rouge. J'en ai mis donc à gauche les semaines qui sont un petit peu décalées et quelques-uns en haut à droite qui dépassent un petit peu de la page, qui dépassent aussi en bas. Il y en a avec nageoire, il y en a sans nageoire. Je les ai vraiment fait au feeling, même certains sans crayonner. C'est extrêmement simple à faire comme dessin. Et maintenant, l'idée, c'était que je voulais donner l'impression que ces petits poissons étaient collés avec du scotch, comme quand on en met dans le dos de sa maîtresse ou de ses camarades de classe. Donc j'ai découpé des très petits bouts de washi tape que je suis venue mettre sur les poissons. J'ai un petit peu galéré pour trouver la bonne taille. Je me suis demandé si j'avais pas utilisé mes washi tape fins, mais j'avais pas de couleur qui était parfaite.
sur les plus gros poissons, ceux qui ont les nageoires, je suis venue redessiner des petites écailles simplement en repassant avec la même couleur de feutre. Ça fonce un petit peu le dessin et ça permet de donner une petite texture sympa. Je note les quelques rendez-vous que j'ai déjà à marquer sur mon calendrier. Je soupçonne qu'il n'y aura pas grand-chose ce mois-ci. On passe maintenant à la page de droite. J'ai repris un modèle que j'utilisais précédemment. Donc j'ai un grand encadré qui est ma to-do list générale du mois. Un encadré en haut que j'appelle focus, qui sont les choses les plus importantes que je voudrais accomplir sans faute ce mois-ci. Et pour l'encadré du bas, j'ai marqué, c'est celui que je vais utiliser pour noter un peu ce que je veux publier sur mon blog et sur YouTube pendant ce mois. Je suis venue faire encore une pseudo-calligraphie avec un marqueur noir dans les nageoires du haut des poissons. J'ai juste dessiné la silhouette du poisson et hachuré la nageoire arrière. Et je vais ensuite faire les rayures rouges en fond comme j'ai fait sur les pages précédentes. Je n'ai pas tracé de cadre autour de l'emplacement qui va me servir pour noter ma to-do list. Je le laisse comme ça, en espace négatif. Je trouvais qu'il manquait quelque chose en haut de ma page calendrier, donc pour une fois, je suis venue marquer Monthly Log, toujours avec ma pseudo-calligraphie. Et je viens marquer simplement tout doux sur le côté de ma to-do list. Ça dépasse un petit peu sur les rayures. Et voilà! Je vous montre maintenant toutes les pages. Donc la page de titre, le calendrier, ma première page. Et comme vous voyez, j'avais déjà entamé mon mois d'avril, j'avais simplement laissé de l'espace pour le faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. Regardez mes liens vers les réseaux sociaux qui sont également dans la barre avec tout le matériel que j'ai utilisé. Et puis à bientôt !